Bonjour les doudous, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui annonce premièrement de grosses nouveautés, de grosses surprises. J'ai plein d'annonces à te faire, mais aussi dans un second temps, j'avais envie d'une vidéo pour terminer, on va dire, tranquillement l'été, cool, sans chichi. J'avais envie de rigoler un petit peu avec toi. Ce que je vais te montrer, je pense que ça va être pas mal. Avant cela, comme je te le disais, j'ai énormément de choses à te dire. Premier point. Pour la rentrée, on a décidé avec toute l'équipe, avec BS, de te faire une énorme offre de rentrée qui va durer une semaine. On a décidé de repartir sur plein de surprises comme lors du bistronversaire. Tu as donc jusqu'à moins 60% pour tous les non-membres et les membres si tu veux prolonger ton aventure avec nous avec la promo. Donc fonce sur le site, ça dure une semaine. Deuxième point, tu le sais peut-être, on l'a pas mal teasé sur les réseaux sociaux. Le 1er septembre, donc dans quelques jours, dans 8 jours, sort notre tout nouveau programme Strong with Overrated. Black ice, black sea, siop en bombe, black star. L'idée de ce programme étant de proposer un programme pour les personnes en obésité ou en surpoids qui soit adapté aux spécificités physiques. Donc très bien adapté, je le dis d'avance parce que je sais qu'on m'a posé la question et on va me reposer la question. Tout à fait adapté aux débutants, les séances vont être courtes, sans impact. L'idée n'étant pas, et c'est surtout notre point sur ce programme, d'apporter de quelconque pression d'un point de vue du physique, de la perte ou de la prise de poids, juste d'apporter ici avec BS, et c'est ultra inédit en France, un programme qui soit adapté aux spécificités des corps en surpoids ou en obésité. Troisième chose, et c'est une énorme surprise que je n'ai pas du tout teasée sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment conservé le secret. À partir du 4 septembre, nous démarrons sur l'application gratuitement le challenge Walk at Home. Tu l'avais peut-être vu passer sur ma chaîne YouTube, mais il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur les 10 000 pas, notamment sur le fait que le chiffre était purement marketing. Mais finalement, cette vidéo m'a donné une grosse idée. Vous me l'avez beaucoup réclamé dans les membres de l'application. Augmenter mon NIT a été un challenge personnel. Pourquoi tout simplement pas vous proposer ce challenge gratuitement avec des séances qui sont donc ultra pumped up et le tout gratuitement durant 2 mois sur l'application. Toutes les semaines, tu auras une nouvelle séance, un nouveau challenge de 10 000 pas à effectuer. Tu peux tout à fait, je l'ai expliqué durant le challenge et dans d'autres vidéos sur Instagram que tu vas voir passer, tu peux tout à fait finalement découper les séances, c'est-à-dire que, imaginons que sur ta journée, tu as envie de te faire 1000 pas, 2000 pas, tu te dis tiens, je vais me faire un petit bout de la vidéo. Et le truc qui a été ultra pump-up à faire, je vais pas vous mentir, c'est qu'on a calculé le moindre pas en montage en fait sur la vidéo pour vous proposer quelque chose d'hyper précis. Tout ce challenge sera en musique, donc on s'est énormément calé sur les BPM de chaque musique. Autant vous le dire, j'ai terminé trempé à chaque fin de tournage des séances et sur les premiers tournages je me suis tapé des courbatures aux mollets de l'espace. Prenez la serviette, prenez des crèmes de récupération pour les mollets. Mais j'avais vraiment envie pour cette rentrée de vous proposer déjà un truc gratuitement en supplément de tout ce qui se passe sur l'application, de la promo, de la sortie du nouveau programme, de vous faire kiffer un truc qui soit finalement un petit peu personnalisable si je puis dire, puisque vous pouvez tout à fait l'intégrer encore une fois à vos programmes comme on l'a fait avec le Tabata Power. C'est donc un challenge qui démarrera, je le répète, le 4 septembre, c'est un samedi matin, la première séance sera posté en gratuit, vous n'avez rien à faire, sur l'application. Vous aurez à peu près une vingtaine de musiques par séance, bref, ça va être juste ouf, j'ai trop hâte, ça approche très vite. Donc si c'est pas fait, tu télécharges l'app, tu peux profiter de la promo si tu souhaites profiter de 100% du contenu, et sinon, première séance le samedi 4 à 10h. Dernière chose que je voulais t'annoncer pour cette offre de rentrée, pour toutes les nouveautés, tu as une mise à jour normalement qui est disponible, où tu vas avoir toute une grosse nouveauté en termes de fonctionnalités, c'est les packs recettes. Retrouvez facilement les recettes de notre pack étudiant où on avait fait des recettes à moins de 5€. Plein de packs vous attendent dans cette nouvelle fonctionnalité, donc foncez faire la mise à jour et kiffez bien. Ça va permettre de vous accompagner tout le mois, en plus tout le mois de septembre avec toutes les nouveautés fitness, sport qui sort. Je peux te dire qu'en nutrition tu as de quoi faire. Autre petite nouveauté, mais vous nous l'avez énormément demandé, c'est la barre de recherche dans la Bee Academy. Vous savez, notre partie conseil. Idée très cool qu'on a très vite travaillée et mise en place parce qu'on vous écoute énormément
vraiment sur les fonctionnalités et vos besoins. Du coup, maintenant, dans l'application d'Ambistrong, tu peux par exemple taper perte de gras. Tu vas avoir toutes les informations que l'on a pu te sortir sur la perte de gras. Ventre gonflé, prise de muscle, ce que tu veux, récupération, tu vas avoir directement toutes les infos qui vont tomber sur le sujet que tu recherches. Et ça, c'est ultra cool parce que d'un point de vue conseil, d'un point de vue coaching, finalement, tu vas être hyper bien accompagné. Ça va aller très vite pour toi pour trouver immédiatement la solution dont tu as besoin. Dernière petite chose que j'avais à te dire, et ça n'a rien à voir finalement avec ce que je t'ai annoncé avant, c'est que tu te souviens que je suis en collaboration avec Gymshark depuis plusieurs mois et ils lancent une très grosse offre durant la semaine entre le 23, je te mettrai les dates exactes que je ne plante pas. Ça démarre lundi matin à 9h heure française. Tu as moins 20% sur une énorme sélection d'articles sur tout le site finalement, outre les dernières nouveautés qui ne sont pas en promo, mais sinon sur tout le reste, tu as moins 20% partout. Ça s'applique directement sur ton panier finalement quand tu crées ton panier. Donc voilà, je voulais absolument te le dire. Donc si tu avais envie de revoir un petit peu ton dressing fitness, c'est clairement la période. Finalement, tu as tout un package, c'est génial. Tu as la promo sur BS, tu as la promo sur les fringues. Hop, on repart sur de nouvelles bases, let's go. On entre dans le sujet mère de la vidéo. Comme tu l'as vu sur le titre, on va aujourd'hui parler de TikTok et de ce que l'on y trouve, notamment puisque c'est mon sujet, sur la communauté fitness et sur tous les conseils qui peuvent se donner, ou tout simplement le contenu fitness. Il y a quelques mois, j'ai décidé de me créer un compte. De base, je t'avoue que c'est pas une plateforme qui m'a attiré parce que je savais déjà un petit peu la réputation du réseau social et je me disais bon, ça va pas forcément m'intéresser, c'est pas le type de contenu qui m'intéresse. Faut pas mourir bête et con, je me suis créé un compte et j'ai commencé à scroll un petit peu ce qui se passe. J'y passe pas non plus loin de là d'ailleurs, autant de temps que sur Instagram ou sur YouTube ou d'autres plateformes. Attends, j'ai mon short qui me rentre dans les fesses. Mieux! Mais sachant qu'il y a des gens qui s'y sont mis qui n'ont pas les autres réseaux sociaux, je me suis dit je vais peut-être découvrir des trucs, ça peut être sympa. Et comme vous m'avez envoyé régulièrement des petits contenus de ce réseau social, il fallait que l'on voit ça ensemble, il fallait aujourd'hui que l'on décrypte ça à mourir de rire. J'en ai retenu quelques-uns, pas énormément, donc faut pas hésiter à m'en envoyer si vous en voyez d'autres, si vous voulez que je les décrypte et si ce style de vidéo vous plaît. Comme ça, je pourrais refaire une session 2, session 3, etc. L'intérêt n'est pas de dire c'est de la merde pour c'est de la merde, certainement pas, c'est pas du tout ma façon d'agir, c'est de décrypter pourquoi en fait tel ou tel truc ne fonctionnerait pas, qu'est-ce qu'il y a de bien finalement dans ce qui est dit à mon sens. Prends un café, un thé, c'est parti. Ok, est-ce que vous avez entendu parler de ce challenge? Faut que j'essaie. Malaise. Je vous explique, c'est un challenge qui circule du coup sur TikTok. Ouais, je vais baisser le son sinon la musique on va plus en pouvoir. La promesse serait de perdre un max de gras du ventre avec ce mouvement là finalement de va-et-vient sur le bassin. Le challenge s'appelle je sais pas le dire. Ça me fait penser de ouf au challenge squat de l'époque où on te disait que tu allais prendre un max de boules en 30 jours si tu faisais 10 squats de plus tous les jours. Là, l'idée, on va dire qu'en gros, c'est de faire ce mouvement tous les jours pendant 30 jours et tu perdrais un max de ventre. Ça me fait aussi penser à un autre truc. Alors, pour ceux qui sont de la même génération que moi dans les années 90, pendant un temps, quand il y avait le clip Whatever, Whatever de Shakira, qui était très belle interprétation, qui était sorti, toutes les nanas avaient voulu se mettre à la belly dance parce qu'il circulait, et c'est vrai en un sens que ça muscle énormément, ça te gagne beaucoup. Même moi, je me suis mise à la danse du ventre, j'en ai fait 1 an et demi, 2 ans, pensant que ça me ferait un bidou de malade. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner? Je pense que tous ceux qui sont adeptes de mes vidéos et qui les regardent régulièrement, vous savez déjà. Mais je peux réexpliquer parce que ça peut être finalement intéressant. Premièrement, la promesse de ce challenge, finalement, perdre un max de ventre en faisant ce mouvement. Je comprends la réflexion qu'il y a derrière le mouvement parce que c'est tout simplement des abdos que vous faites debout. Et notamment des abdos avec peu de pression. L'idée de ce truc, c'est vraiment de serrer le ventre à chaque fois, mais disons que ce qui rend déjà un petit peu finalement idiot le challenge alors qu'il n'est pas tant, c'est la musique déjà qui est très mal choisie. Quelconque mouvement de sport ne te fera jamais perdre de gras sur le ventre. Je vous avais déjà parlé plein de fois du stomach vacuum qui vous permettait de resserrer la taille et donc de perdre en diamètre de taille, d'affiner votre taille sans faire perdre le gras par-dessus. Pourquoi? Parce que quelconque mouvement, encore une fois, n'attaque pas le gras, c'est vraiment par la nutrition, via le déficit calorique, via la perte de gras. Là ici, l'idée finalement, c'est de se, tonifier, vous voyez dans quel sens je veux dire ça, le gainage, de renforcer le gainage du ventre par
des mouvements de type abdominaux debout, mais clairement, un challenge de ce type ne te fera jamais perdre quoi que ce soit. Tu vas te sentir plus gainé, peut-être plus renforcé au niveau des abdos, mais c'est la seule chose que ça va pouvoir faire. Je crois que j'avais vu un témoignage d'ailleurs, je sais pas si je l'avais enregistré, ouais je crois, d'une nana qui l'avait fait jusqu'au bout. Bon, il a marché le challenge, mais je ne suis pas satisfaite des résultats. Je m'attendais à une perte de poids plus grande. C'est impossible. Alors je vais flouter, je vous verrai que vous ne verrez ni son nom ni son visage, parce que l'intérêt c'est pas du tout de la mettre en porte-à-faux elle. Ce live va me saouler. Elle n'y est absolument pour rien, la demoiselle, et bref, c'est pas elle qui a lancé le truc quoi. Mais pour revenir par rapport à ce qu'elle dit, il est impossible qu'elle perde quelconque gramme juste en faisant ce mouvement. T'imagines quand même, ce serait ultra miraculeux. Je pense que tout le monde, absolument tout le monde, se mettrait à faire ce genre de truc toute la journée. Enfin pas moi, parce que j'aime mes séances de sport et j'aime le fitness et j'aime, outre le côté physique, la sensation que ça procure. C'est d'ailleurs ce que je me dis finalement à chaque fois quand il y a des modes qui sortent ou des trucs qui sortent. Si vraiment ça marchait, pourquoi déjà on ne le fait pas depuis des années et pourquoi ça ne perdure pas dans le temps? Et plus, c'est vrai que niveau alimentation, j'ai pas trop fait d'efforts, donc peut-être c'est lié à ça aussi, mais... Oui, c'est 100% lié à ça en fait. Elle ne peut pas avoir de résultats sur un mouvement aussi peu énergivore pour le corps si tu fais pas un maximum attention à ton alimentation. Tiens, bah objectif d'activité atteint. Ok. On revient finalement sur le même principe que un levage de jambes vers le côté ne te fait pas perdre de la culotte de cheval, que faire des crunchs ne te fait pas perdre du ventre. Encore moins ce mouvement vis-à-vis du ventre, c'est pareil. Donc les challenges de TikTok, c'est hyper cool, comme il y a pas mal de fitness girls ou d'influenceuses fitness qui peuvent en proposer, du type des trucs en musique, des trucs cool en fait, des trucs fun. Mais alors dès que ça commence à te vendre des promesses qui te paraissent un peu chelou, laisse tomber. On passe au suivant. Bon, ça c'était une abonnée qui me l'avait envoyé et qui voulait que j'en parle. Vous avez forcément entendu, enfin non pas forcément, je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. Il y a même un réseau, c'est incroyable de dire ça pour une crème pour le cul, un réseau qui a été démantelé de cachetons en fait, qui permet de faire prendre du poids ultra rapidement, et finalement la promesse de ces cachetons c'est de prendre du fessier ultra 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 vite. Et c'est juste qu'en fait il y avait un composant qui était illégal en France qui permettait de prendre du poids, et donc par définition probablement des fesses, mais tu prenais du poids de partout. Ça n'a rien à voir avec ça, mais ça faisait un petit peu partie de l'actualité fitness, si je puis dire, façon de parler, donc je voulais t'en parler. Donc là, le fenugrec en fait qui est dans cette crème, c'est un actif qui permet, qui a des vertus qui permettraient la prise de poids en fait. Le truc qui est complètement con, pardonnez-moi du terme, avec le raisonnement de cette crème, c'est qu'à quel moment en fait, si tu en appliques comme ça en façon cutanée, ça va fonctionner sur des zones localisées. Jamais de la vie. Le fenugrec, c'est une plante que tu trouves naturellement dans ta cuisine si tu en as. Petite pause, j'ai dû cacher le soleil, il y en avait vraiment trop. On passe au suivant. Bonjour, moi c'est Fanny, je suis la généticienne Crop Kilo. Je vais répondre aux commentaires juste au-dessus. Beaucoup de réactions sur ce que je vous ai raconté la dernière fois sur le skyr. Alors je voulais apporter des petites précisions. Le skyr en fait, c'est un yaourt qui va être plus protéiné. Il y a 9 à 10 grammes de protéines dans un pot de yaourt skyr, ce qui représente à peu près le double d'un yaourt nature classique. Et alors? Donc c'est pour ça que je vous disais, pas tous les jours, parce que vous allez venir augmenter votre total de protéines journalières. Et alors? À moins qu'on soit sportif et que bien évidemment on cherche à augmenter pour telle et telle performance, pas de souci. Si on est végétarien et qu'on a du mal à aller trouver son quota de protéines, ça peut être aussi une bonne solution. Mais moi, je vous disais ça, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, variée, plus classique, on va dire comme chez Crop Kilo, dans notre programme de rééquilibrage alimentaire, on est sur une alimentation variée, où on va manger toutes les catégories d'aliments dans des quantités qui sont plus ou moins définies. Ok. Alors moi je vous avoue que j'ai un ressenti général par rapport à TikTok et j'aimerais vous en parler, que vous me disiez ce que vous en pensez, ou tout du moins ceux qui passent plus de temps finalement sur ce réseau social, parce que moi j'y passe très peu de temps et peut-être que je ne vois pas tout ce qui peut se passer sur ce réseau social et que je n'ai que le mauvais qui m'arrive en pleine gueule. Là en fait ce qui m'attriste, c'est que c'est une diététicienne qui parle, et il faut vraiment que vous gardiez en tête que même si de la même façon que chez les coachs sportifs, hein, ce n'est pas parce qu'un diététicien nutritionniste est diplômé par
l'État qu'il n'y aura pas des grosses bêtises, pour être poli, qui sortira de sa bouche. Là ici en gros la demoiselle elle dit bon elle vend un rééquilibrage alimentaire et elle indique en fait que le skyr, je sais pas si vous connaissez mais effectivement c'est un yaourt qui est très protéiné. Il y a pas mal de gens dans le fitness qui en consomment parce qu'il est très intéressant au niveau des macros, en tout cas pour ceux qui ne sont pas vegan. Elle indique ici, et c'est une énorme inopsie, qu'en gros faut surtout pas en consommer deux par jour parce que sinon tu vas augmenter ton quota de protéines. Et en termes de protéines, on vous conseille d'en manger à un repas par jour, pas plus. Alors il va y avoir les petits compléments via les yaourts, via les fromages, etc. Mais c'est vrai que sinon on conseille une protéine par repas dans une journée, le midi ou le soir. Et je vous explique pourquoi. En fait, l'ingestion de protéines, ça va produire des déchets dans notre organisme, qu'on appelle l'urée par exemple. Et ces déchets vont être traités par le rein. Et le rein, ben, il est programmé, on va dire, pour traiter un certain quota de déchets sur notre vie. En fait, pour schématiser. Et c'est vrai que si on en apporte beaucoup trop, eh ben forcément, on va le fatiguer. Donc, il faut l'économiser. Après, voilà, pas de drame. J'ai pas envie de vous faire peur. On a quand même la possibilité de manger des... Et elle ajoute, à moins que tu veuilles faire augmenter tes performances. Donc, il y a plein de bêtises, finalement, dites dans une seule phrase. Première chose que moi, j'aimerais vous dire, c'est vraiment vous rassurer de ce point de vue-là. Déjà, pour exploser son quota de protéines aujourd'hui, c'est vraiment très compliqué. Même si tu le fais, il n'y a pas d'incidence. Le fait qu'il y ait des problématiques sur les reins dès l'instant où tes reins sont sains de base, il n'y a aucun souci. Si tu es censé et si tu as déjà eu des petits problèmes, il vaut mieux effectivement faire attention. Mais si tes reins sont sains, exploser ton quota de protéines, il n'y a aucun problème avec ça. Et encore moins manger 2 skyrs par jour si tu as envie de te mettre 2 skyrs dans le bide par jour. L'autre chose qui me choque finalement, c'est qu'elle indique que les protéines, c'est intéressant pour faire augmenter les performances. Pas du tout. Les protéines ont un rôle de construction musculaire. Donc oui, ça va t'aider dans la restructuration des fibres qui ont été brisées lors de tes entraînements. Mais tu vas pas faire de meilleure perf parce que tu manges des protéines. Ça va aider par contre à la construction et notamment la reconstruction musculaire effectivement. Mais les protéines n'ont pas que un rôle musculaire, hein, ça a un rôle dans plein d'autres choses. Et donc oui, par rapport à ce que je disais, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment l'impression que sur TikTok finalement, on est revenu à pas mal d'années en arrière. Autant sur Instagram et sur YouTube, tous les influenceurs fitness ont fait un travail absolument dingue de ce point de vue-là et je trouve qu'on a permis en quelque sorte d'énormément éduquer les gens sur pas mal de choses qui pouvaient se dire via les magazines et les médias qui étaient fausses. Un truc tout bête justement, faire 2-3 exos pour perdre les poignées d'amour. Ça je trouve que tous les influx sans exception ont fait un travail là-dessus et on vous a fait gagner du temps. Et je trouve que sur TikTok on est vraiment revenu à pas mal d'années en arrière et on revient à des challenges ou alors des idées reçues qui ont été, façon de parler, explosées sur d'autres réseaux sociaux depuis longtemps. Et ça fait une très bonne liaison avec le troisième TikTok que je vais vous lancer maintenant. Perdre du poids et manger du pain, ça ne va pas. Le pain, c'est des hydrates de carbone. Ça va vous empêcher de perdre du poids. Mais en Belgique, on aime manger le pain. Ok, stop. J'arrête là, il n'y a pas besoin de voir la suite. Comment on peut encore dire en 2021 que le pain, ça empêche de faire perdre du poids? Alors oui, c'est des hydrates de carbone, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est des glucides. Ok, et alors? Aucun aliment, je dis bien aucun, même le plus gras, le plus sucré, le plus industriel qui soit, à lui seul, fait perdre du poids. Ce n'est pas parce que tu vas manger un aliment en particulier que d'un coup, paf, tu vas avoir 2 kilos de plus sur ta balance. C'est scientifiquement impossible. C'est une association d'aliments, de plusieurs aliments sur ta journée, sur ta semaine, voire même plutôt sur ta semaine, qui vont faire que quand tu ajoutes tout, tu vas créer un excédent calorique et effectivement, tu peux avoir une prise de poids. De la même façon que, à l'inverse, aucun aliment, si tu le consommes d'un coup, et ça j'en vois énormément sur TikTok, aucun aliment ne va te faire mincir d'un coup. Pendant un temps, je sais pas si tu te souviens de ça, mais on disait que le pamplemousse retirait la cellulite, on disait que le citron était détox, était aidé à faire mincir, tout ça c'est faux. Aucun aliment pris à lui seul et détourné de tout ce qui peut être accompagné fait maigrir, impossible. Donc le pain, inutile non plus, moi j'en mange très peu pour plein d'autres raisons, et notamment parce que je considère que c'est un glucide qui est, à moins que je me fasse des sandwichs ou des choses comme ça, où là c'est intéressant dans le plat même, mais par exemple, je te donne un exemple, manger un plat, je sais pas, un bowl ou une assiette composée de plusieurs choses et avoir
d'avoir du pain à côté. Pour moi, c'est vraiment un glucide qui est inutile, ce pain à côté, d'autant plus si tu en as déjà dans ton assiette. Mais si tu n'en as pas dans ton assiette, pourquoi pas te faire du pain? Tu fais ce que tu veux. Le pain ne fait absolument pas grossir à lui seul. Moi, ça me fait encore penser au fameux mythe des glucides après 16 heures qui te font prendre 2 kilos là. Ça, c'est vraiment n'importe quoi et je vous jure que ça me choque d'entendre encore ça alors que, enfin, maintenant, il y a de l'information disponible et il y a beaucoup, comme je te le disais, de youtubeurs ou d'influenceurs fitness ou même de connaisseurs, de coachs sportifs, de nutritionnistes qui ont bien fait comprendre que c'était faux. Comment en 2021 tu peux encore entendre ça? Je t'en sors un petit dernier que j'avais retenu pour cette vidéo. Non, Moussaillon, absolument pas. Est-ce que tu savais que les squats, au contraire, vont faire grossir tes cuisses? Et là, c'est le drame. Et oui, travailler en volume et faire grossir les muscles va simplement repousser la graisse, s'il y en a par-dessus, en avant. Donc, faire des squats peut aider à tonifier, à sculpter, mais pas à faire maigrir les cuisses. Pour ça, une seule solution. Alors, le premier point finalement qui me pose problème, c'est qu'il a tendance à diaboliser le fait de prendre du muscle, genre oh là là les filles, faites surtout pas de squat, vous allez prendre des cuisses apparemment. Faut surtout pas prendre de muscle, ça fait grossir vos cuisses. Il y a une connotation sur la prise de muscle que je trouve très négative, très péjorative de la façon dont c'est tourné ici, mais je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où il le tourne pour dire, et ça c'est vrai par contre, que ça ne fait pas mincir ou affiner des cuisses comme n'importe quel exercice finalement. Par contre, ça fait pas grossir les cuisses pour autant. C'est pas parce que tu fais des squats, et ça il aurait dû, je pense, le préciser, mais peut-être qu'il avait pas assez de temps dans son TikTok vu que c'est ultra rapide. Il aurait dû, je pense, préciser que tu vas prendre du volume musculaire uniquement si tu charges extrêmement lourd, mais certainement pas avec des squats à vide ou des squats par-ci par-là. Loin de là. Et encore une fois, c'est un challenge que tous les influenceurs ou les créateurs de contenu fitness ont fait sur les réseaux sociaux, d'essayer de vraiment faire relâcher cette pression et cette peur du oulala, je veux pas faire de la musculation parce que je veux pas être trop masculine, je veux pas prendre trop de volume. Non, on y est absolument pas. Une copine dont je vous ai parlé plein de fois, Feedback Chloé, parce que c'est elle qui me vient en tête à chaque fois quand je parle de compétition et vraiment d'un fitness professionnel. Regardez son corps, il est extrêmement, ce que je vais appeler façon de parler, j'espère que ce sera pas détourné, féminin. Elle n'a pas des muscles énormes et pourtant la nana à la salle, elle te soulève un truc de malade. Je sais pas si vous vous souvenez d'une de mes premières vidéos qui avait vachement buzzé d'ailleurs sur YouTube, elle date de ouf, c'était arrêter le squat. Donc oui, effectivement, le squat n'est pas du tout majeur fessier, ça c'est un fait, contrairement à ce qui était dit pendant longtemps, il est majeur quadri. Mais pour prendre des cuisses sur le squat, clairement, il faut charger. Et l'autre point qui me fait dire finalement que je suis pas ultra d'accord avec ce qu'il dit, c'est parce que c'est un exercice qui est extrêmement énergivore de par le fait qu'il engage énormément de muscles. Donc il peut tout à fait t'aider finalement dans ta perte de gras, parce que c'est un exercice où tu dépenses énormément d'énergie et donc de calories. Donc si tu l'intègres à une séance complète, il peut être hyper intéressant. Faut absolument pas avoir peur d'avoir des cuisses énormes parce qu'on n'a pas du tout la même dose de testostérone. Tu vas avoir des gens qui vont avoir tendance, et moi c'est un petit peu mon cas, qui vont avoir tendance à être majeur quadri et prendre plus facilement, mais alors certainement pas sur un squat classique à vide. Voilà pour cette vidéo la team, j'espère avoir été plutôt claire dans mes explications, j'espère qu'elle t'a plu, que c'était un peu plus léger et funky que d'habitude. Si t'as d'autres trucs à m'envoyer, n'hésite pas, du coup je te remets mon TikTok là si ça peut t'intéresser. Ce n'est pas un réseau social que j'alimente de ouf du coup, mais j'y fais quand même un tour de temps en temps pour voir un petit peu ce qui se passe, c'est toujours bon de s'informer. N'oublie pas, je le répète, tu as la promo sur Bistrong via le site qui dure une semaine, donc fonce et maintenant si tu veux nous rejoindre et aller taper dans tous les programmes que l'on a à disposition, tout le contenu, les conseils, tout ça, tout ça. Tu as le Strong with Overhead qui sort donc le 1er septembre, le challenge gratuit Walk at Home qui sort le 4 septembre au matin 10h, et tu as les offres Gymshark à partir de lundi matin. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo.